CEDC en cette belle journée de printemps. Aujourd'hui, on va parler d'une marque et d'un produit. La marque est en Pentagon Tactical. Le produit est dans leur sac Telemann, qui est un sac crossbody qu'on appelle. Donc, vous savez, ces sacs que vous transportez ou en style, comment ça s'appelle, Messenger, ou en travers de poitrine ou dans le dos, qui est un sac orienté quand même à forte connotation tactique, tactique je veux dire, mais avec un soin apporté quand même plus outdoor, voilà, un peu sportwear, vous voyez, ce genre de produits un peu comme ça. Alors, qui sont Pentagon? Pentagon est une société grecque qui travaille donc beaucoup avec l'OTAN, qui fournit des produits entre autres pour l'OTAN, mais bon, ils ont aussi une gamme sportwear. Donc elle existe depuis 1991, et puis à l'origine c'était surtout des gens qui vendaient des articles militaires un petit peu de seconde main, et puis ils se sont petit à petit développés. Ils ont décroché des contrats assez intéressants avec le outdoor et puis des grandes marques de sportwear. Donc ils ont commencé à concevoir des produits pour eux. Et puis bien sûr, naturellement, ils se sont orientés vers tout ce qui était forces de l'ordre, pompiers et puis militaires. Donc ils ont plusieurs gammes dans ils ont plusieurs produits dans leur gamme plutôt, qui sont destinés selon ce que vous souhaitez à différentes activités. Là, le sac que je vous parle aujourd'hui, donc c'est le Telemann. Donc c'est un sac crossbody que vous voyez ici. C'est un sac quand même assez conséquent, hein. On est sur quelque chose de pas loin de 8 litres, hein, entre 8 et 10 litres. Et on va voir dans le détail un petit peu comment il est conçu. C'est un sac que moi je trouve très intéressant parce qu'il est d'un rapport qualité-prix assez surprenant finalement pour ce type de produit-là. Allez, on va regarder ça. Alors, pour la partie technique, à ceux à qui ça pourrait intéresser, nous sommes sur du polyester 600 deniers, haute résistance, nylon ripstock, composé aussi de 420 deniers, fermeture Y, bien sûr YKK, bouc et clip Duraflex, UTX, système étanchéité triangulaire, design ambidextre, sangle ressort, système de poche intérieure, avec un patch frontal qui permet de pouvoir donc avec des crochets pour passer en molly. On a un patch ici velcro à l'avant, voilà, où vous pouvez mettre vos moral patch et ainsi de suite. Il comporte donc plusieurs poches. Sa contenance totale est à peu près de 8 litres et demi. Voilà, ça c'est ce qui est donné sur le site. Ce produit, bien sûr, avec sa connotation militaire, est utilisé aussi pour le transport d'armes. Donc on peut utiliser des armes de poing sur la poche arrière, comme je vous montrerai, comme on peut retrouver le même système chez Maxpedition ou compagnie. Hein. Voilà, dans le même principe. Et pour le petit poids que je ne vous ai pas donné, il fait 525 grammes à vide. Alors, comment il est composé ce sac? Eh bien, déjà, pour commencer, hop, voilà, je vais vous écarter un peu. On a ici à l'avant, donc, des passants molly, donc dans lesquels vous pouvez accrocher des ceintures, enfin des sacoches, enfin, voilà, la variabilité du sac et la polyvalence est assez intéressante. Le tissu est très agréable au toucher, hein, donc on est sur du polyester 600 deniers, donc c'est à la fois assez ferme, vous voyez, ça peut à peu près tenir debout, si ça veut bien, merci bien, voilà, ça peut à peu près tenir debout, donc c'est assez ferme mais pas trop rigide non plus, hein. Donc c'est un bon compromis en termes d'utilisation tactique pour sa résistance et puis d'un confort de port quand même qui est assez intéressant. On va avoir donc ici à l'avant le panel où on peut mettre les moral patch. Alors j'ai pas encore mis les miens puisque je l'ai utilisé essentiellement en mode urbain, donc j'ai voulu quand même éviter de mettre tous mes moral patch, mais ça sera chose faite, je vous rassure. Les fermetures, donc comme je vous ai expliqué, on est sur du YKK avec un système d'étanchéité au niveau des fermetures, voilà, des perlants à l'eau. Le tissu lui bien sûr était perlant à l'eau et il résiste aux éclaboussures, ainsi de suite. Ce n'est pas un bateau, bien sûr, on ne va pas le mettre dans l'eau.
Alors, à l'avant, ici, on va avoir donc une grande poche. Le revêtement intérieur est un petit peu plus léger que le revêtement extérieur, afin d'éviter de rayer les produits que vous mettez à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. La contenance est assez grande quand même, hein. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Alors, si je ne me trompe pas, les 8,5 litres, il les considère là, à l'intérieur, sur la grande poche. Ce qui veut dire que tout ce qui est en plus, c'est pour ça que je vous dis, ça peut aller jusqu'à 10 litres, tout ce qui est en plus, ils ne le comptabilisent pas chez eux à première vue. Donc, on est vraiment sur 8,5 litres de contenance sur la grande poche. Il y a quand même une petite grande poche ici qui fait tout le long. On va avoir donc la grande poche pour tout. On a ici une grande poche sur toute la longueur et une petite poche à l'arrière ici, qu'on verra après. À l'intérieur, donc, bien sûr, l'accès de la grande poche fait avec des fermetures, donc, comme vous voyez, à mi-dessin, hein, vous pouvez ouvrir d'un côté comme de l'autre. Voilà. On sent vraiment au niveau de la fermeture quelque chose qui résiste bien. L'intérieur, donc, on va retrouver ici le logo de la marque. On va retrouver ici un petit clips pour pouvoir accrocher les clés, si vous voulez, ou une lampe torche ou une chose comme ça. Enfin, vous voyez, un peu comme vous voulez le faire. À l'intérieur, donc, on a une grande poche fourre-tout où on peut vraiment y mettre quelque chose d'intéressant. Si vous avez ou transportez une parka ou un vêtement de pluie, vous pouvez le glisser dedans, un bonnet, des gants. Voilà, si vous avez différents articles que vous voulez mettre dedans, vous pouvez le faire sans aucun souci. Et ici, au fond, on a deux grandes poches mèches qui permettent d'y pouvoir y glisser différents articles. Alors bon, moi, j'ai mis une trousse de bobologie, enfin, voilà, le classique que je transporte. Mais vous voyez quand même, c'est quand même assez intéressant, puis c'est bien plaqué, ce qui veut dire que ça ne vient pas perturber les autres articles que vous pourriez mettre à l'intérieur. Deuxième partie qui est très intéressante, c'est cette partie ici. Alors, comme vous pouvez voir, ici, vous voyez la fermeture. Elles sont faites pour pouvoir s'emboîter et pouvoir y rajouter un blocage, donc un petit cadenas ou quelque chose comme ça, pour bloquer l'accès à cette poche. Pourquoi ? Parce que normalement, cette poche, en fait, est destinée au port d'armes. Voilà. Donc, dans cette grande poche ici que vous avez, alors moi, j'y ai mis, puisqu'on pouvait rentrer, moi, j'y ai mis un iPad, mais vous voyez l'intérieur, en fait, c'est du velcro. C'est du velcro femelle qui permet de pouvoir éclipser un holster tenu par velcro, et ainsi de suite. Hein. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez dedans pour pouvoir transporter vos armes, chargeurs ou tout autre article qui peut se coller en panel. Je pourrais, par exemple, ici, très bien y mettre des organisateurs du style de chez Helicontex, comme j'ai dans mon sac de chez Helicontex. Je pourrais très bien les mettre pour pouvoir organiser couteau, lampe torche, enfin, ainsi de suite, la partie tactique. Moi, cette poche-là, je l'utilise plus pour transporter quelques produits, puisque, bien sûr, en France, vous savez, nous ne portons pas d'armes. Enfin, du moins, il faut une autorisation bien spécifique et c'est réservé aux forces de l'ordre. La contenance est quand même assez grande, puisque vous voyez, on peut y mettre dans cette poche-là un iPad 10,5 pouces. Donc ça fait quand même quelque chose qui est assez grand. Et ici, à l'arrière, nous avons donc une autre petite poche qui, elle, n'a pas de protection particulière, où on peut y mettre différents petits articles, qui est plus une poche sécurité, vous savez, le genre de poche que vous plaquez contre vous, puisque le sac, lui, est plaqué contre vous avec cette partie-là. Alors, il est fourni aussi avec une petite sangle, donc rattrapage poitrine, hein, enfin, que vous pouvez clipser. Je vous montrerai sur les images suivantes pour pouvoir savoir comment on peut le porter. Alors, moi, je n'utilise pas cette poche-là. Déjà de une, parce que ben, lorsque vous le chargez un peu, 8,5 litres au niveau de la poitrine, ça vous fait quand même un bon petit singe accroché autour du cou. Hein, donc ça fait quand même quelque chose d'assez important. Et puis, je l'utilise moi plus comme un messenger bag que comme un sac poitrine crossback. Voilà. Mais vous savez que si jamais vous voulez rajouter cette sangle, qui est fournie avec, bien sûr, hein, elle s'accroche donc ici. Hop, sur la bretelle, voilà, sur les différents petits passants ici que vous pouvez faire. Donc elle s'accroche avec ce petit système là que moi je trouve pas des plus pratiques, vous voyez, parce qu'en fait ça vous demande de bidouiller pour le rentrer, enfin voilà, il faut jouer là dedans pour pouvoir le rentrer. J'aurais préféré à la limite un système tenant, et puis comme ils ont mis ici vous voilà un système où on puisse clipser et déclipser facilement cette sangle pour pouvoir l'enlever, la mettre comme on souhaite.
C'est un petit peu le petit reproche que je peux leur faire. Le reste, après, bon, voilà, il n'y a pas de souci, ça se fait assez facilement. Ça demande juste un petit peu plus de temps de pouvoir le mettre et l'enlever lorsque vous voulez le mettre et l'enlever. Voilà. Vous voyez, en fait, vous êtes obligé de jouer comme ça, de mettre les deux trucs. Vous poussez. Voilà, et puis après, il faut rentrer à l'intérieur. Donc c'est en ça que je trouve que c'est pas très pratique. Moi, j'aurais préféré quelque chose, voilà, qui soit fixe là-dessus, et puis qui soit fixe, qu'on puisse le moduler comme ça, mais qui est quand même, vous voyez, le principe d'une attache, comme on va retrouver ici en bas. Vous voyez, ce petit attache-là, voilà. Amovible, on peut l'enlever, la mettre d'un côté ou de l'autre, pour un port à droite ou un port à gauche, mais au moins vous pouvez enlever le sac en accès, rapidement, et puis ça, ça reste sur le sac. Au niveau de la sangle, ben, on va retrouver la même chose, hein, donc pas mal de petits passants ici qui permettent donc le réglage de ceci, mais aussi qui permettent de pouvoir d'y accrocher une lampe torche, voilà, des petites choses que vous pouvez avoir besoin. Au niveau du réglage, ça se fait très bien. Il y a bien sûr un rattrapeur de sangle ici. Voilà. Il y a un rattrapeur de surplus de sangle, voilà, que vous pouvez rouler bien sûr et verrouiller par ce système de velcro. La tâche ici du Rafex est vraiment bien fiable, hein, bien costaud. C'est quelque chose d'assez réconfortant. On ne risque pas que ça se pète aux moindres occasions. Hein, puis on connaît la qualité de ce genre de produit-là. Il n'y a pas donc de partie molletonnée pour pouvoir assurer un confort au niveau de l'épaule. Est-ce que ça pose problème? Moi personnellement, non. Je n'ai pas rencontré de problème avec ça. Même lorsque le sac est un peu chargé, puisque là vous voyez quand même il y a quand même l'iPad dedans, puis un petit peu de matériel. Bon, c'est pas non plus gênant, hein, au niveau du port. Ça se fait assez facilement. Il y a donc ici en haut une poignée pour pouvoir le prendre, le transporter comme un sac normal si vous désirez. Voilà, vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Ça peut être un concept assez intéressant. Les fermetures, enfin les sangles ici, on voit bien donc avec des coutures et des rattrapeurs d'un côté et de l'autre. Donc ça passe vraiment, c'est quelque chose d'assez fiable. Même chose de l'autre côté, on n'a pas de souci de ce côté-là. On sent bien la qualité d'un produit qui est destiné aux forces de l'ordre ou à l'armée ou à toute activité outdoor que vous souhaiterez faire. Voilà, c'est tout à fait le genre de produit que vous pouvez faire avec une très bonne contenance, 8,5 litres. Ça vous permet déjà de transporter pas mal de choses. Vous pourrez par exemple y rajouter un port bouteille si vous voulez vous amuser à mettre des petites bouteilles à l'extérieur. Voilà, ça peut être vraiment utilisé pour une promenade nature sans aucun souci. Voilà pour cette petite sacoche de la marque Pentagon Tactical, la Daylemon, produit que moi je trouve très agréable. Alors, je ne vous ai pas parlé du prix. Alors, concernant le prix, donc sur Amazon en ce moment, on le trouve à 39,99€. Voilà, de couleur noire. Moi j'ai pris de couleur gris, un petit peu comme ça, mais vous pouvez le trouver de couleur noire. Voilà. Là vous avez quelques photos, vous voyez, avec le système de holster où vous pouvez mettre un holster dedans pour transporter une arme. Voilà, donc 39,90€ pour ce produit où on va retrouver donc du polyester 600 deniers, ripstock. On va trouver des fermetures YKK. Moi je trouve que c'est très correct pour une contenance de 8,5 litres. Il y a des bananes sur Amazon ou sur n'importe quel site qui coûtent ce prix-là et qui ont finalement bien moins à proposer. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous mette un lien, je le ferai comme d'habitude. Je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux qui sont arrivés récemment. Je vous remercie de participer au développement de cette petite chaîne qui n'est là que pour vous apporter des bonnes idées et vous montrer des produits qui peuvent, moi, je trouve intéressants, puisque ce sont tous des produits que j'achète et que j'utilise au quotidien. Donc vraiment, il n'y a à la limite
limite, enfin, il n'y a pas de partie marchandise dessus. Je vous montre mes bonnes affaires. Vous voulez en profiter, vous le faites, vous voulez pas en profiter, c'est pas un problème. Moi, je suis juste là pour vous montrer ces bonnes affaires-là. Je vous rappelle, pour ceux qui me rendent visite et qui ne s'abonnent pas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner au niveau de la visibilité de la chaîne sur YouTube, c'est sympa. Comme ça, ça permet un petit peu de pouvoir que toute personne qui soit intéressée par des produits comme ça, du quotidien, peuvent consulter ma chaîne pour avoir les informations. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous.